On joue depuis 42 secondes. J'assure que c'est la vérité. Blé a rougné. Il n'y a pas vraiment un pressing terrible de Rojas, mais enfin, il est là. Et puis alors, ici, c'est la stupeur dans le stade. Personne, et en tout cas lui, Tomislav Ivic, ne comprend pas. Confirmation du speaker, première minute, but de Dante Brogno. On croit à une farce, on se dit c'est pas possible ce genre de choses-là. On attendait tellement de ce derby. Et voilà ce qui arrive. Après une minute, on est déjà mené, pense Tomislav Ivic. 20e minute, coup de coin et Albert dans une grande et belle envolée. Ivic ne comprend toujours rien. Un petit bisou à l'expéditeur, une reprise de tête exceptionnelle. Tournant de cette rencontre avec enfin l'ouverture du score pour les Liégeois. Une perte de balle qui déséquilibre la défense. Mbo, cette fois du droit et du droit, ça va. Ça va beaucoup mieux, enfin, c'est pas encore cela puisque ce n'est que 1-2. Le match bascule et tombe à la 70e minute du côté du Sporting. Souza et De Failly piègent toute la défense liégeoise. Souza, excellent hier soir. Et lui n'est pas hors jeu, ses partenaires bien. Et dans la zone d'influence en plus, on donne l'avantage à l'attaque. Bien arbitré, très bon arbitrage dans l'ensemble de M. Blaro. 1-3. Et là, c'est fini.